nous allons vous livrer cet après-midi quelques points de droit relatifs à la procédure pendant devant la CRIF. Sans plus tarder, vous savez, comme nous sommes au mois de carême, je passe la parole au bâtonnier Djibril Piaté pour son intervention. Merci. Vous savez dans quel contexte cette conférence de presse a été organisée. Il s'agit du dossier concernant les anciens ministres du gouvernement sortant. Et voilà. Je dis, vous savez tous dans quel contexte cette conférence de presse est organisée. Il s'agit de parler du dossier concernant les anciens ministres du dernier gouvernement du professeur Alpha Condé, ancien président de la République. Vous avez dû remarquer, puisque la cité est assez bruyante, que dans la procédure menée contre ces anciens ministres, il y a eu une panoplie de violations de droits. Et pour couronner le tout, je vais parler de ces violations. Nos clients se trouvent actuellement détenus arbitrairement à la maison centrale de Conakry. Ils sont en train de subir stoïquement l'injustice due à la violation des textes de loi. Donc nous allons parler de ce dossier et il sera certainement question de l'ancien Premier ministre Kassori. Encore que, comme je l'ai dit, il n'est pas le seul concerné par ce dossier. Donc, pour animer cette conférence de presse, j'ai élevé autour de moi Maître Ousmane Sey, du barreau du Sénégal, de Dakar, du Sénégal. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, du barreau du Mali et de Paris. Vous avez le bâtonnier Dina Sampil, ici à ma gauche, que vous connaissez tous. Vous avez à ma droite Maître Adama Barry, qui est aussi connu. Vous avez Maître Sekou Koundiano, qui est aussi assis à ma droite. Vous aurez Maître Salifou Béavogui, qui est en route, qui arrive. Maître Siriki Bérété, Maître Amadou Kourouma, qui aussi normalement doit être là. Donc, je ne monopoliserai pas la parole. Je suis, en ce qui me concerne, prêt pour répondre à cette question, si cela doit être. Mais je vais sans tarder passer la parole au bâtonnier Dina Sampil, qui est à ma gauche. Mais lorsque, pour des intentions inavouées, les règles de droit se retrouvent violées au détriment de nos clients, il est de notre devoir de porter cela à la connaissance de l'opinion nationale et internationale par le biais des journalistes que vous êtes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le jeudi dernier, la semaine dernière, nos clients, par le fait du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques, ont été déposés à la maison centrale. Sur la base, d'après lui, d'une procédure de flagrant délit qu'il a entendu mettre en place. Le surlendemain déjà, il s'aperçoit que cette voie ne sied pas et de façon unilatérale, il décide de la réorientation du dossier devant le cabinet d'instruction. Toute chose qui ne pouvait l'être que par décision de la juridiction qui avait été préalablement saisie. Alors, il y a que les avocats se sont aperçus de cette supercherie-là
et qu'ils ne sont pas prêts à laisser cela passer sous silence. Donc, la juridiction dénommée la CRIEF est une juridiction spéciale qui a été créée par l'ordonnance numéro 2021-307-PRG-CNRD-SGG. Et en tant que juridiction spéciale, la loi qui la crée est également une loi spéciale. Et son fonctionnement doit être basé sur cette loi spéciale. Mais vous avez suivi le procureur, en aucun moment, il ne vous a parlé d'une seule des dispositions de cette ordonnance portant création de la Cour de répression des infractions économiques et financières. La première violation consiste donc à ça. Et ensuite, nous estimons personnellement que le procureur s'est amusé avec la liberté des personnes qu'il a envoyées illégalement à la maison centrale. Tout à l'heure, vous allez suivre avec nos confrères comment tout cela s'est passé et quelles sont peut-être les intentions inavouées qui ont animé le procureur spécial à agir de façon spéciale comme s'il n'y avait pas de loi dans ce pays. Voilà, en quelque sorte, le cadre dans lequel nos débats ici vont évoluer et je crois que chacun de nous sortira de cette salle suffisamment informé. Je vous remercie. Alors, le seul dossier que nous avons aujourd'hui pour vous entretenir de cette affaire, c'est le réquisitoire de monsieur le procureur spécial qui a été fait ce matin à travers les médias. Nous n'avons pas accès à nos dossiers, mais ce réquisitoire nous a permis de savoir que monsieur le procureur spécial a allègrement violé les droits de nos clients et a violé la loi. Monsieur le procureur commence pour vous dire qu'il a agi sur la base de l'article 462 du Code de procédure pénale. Mais il est omis de vous dire que cet article régit la procédure de flagrant délit en matière de droit commun. Il ne vous a pas dit qu'est-ce que c'est que la flagrance. L'article 63 du Code de procédure pénale de la République de Guinée définit ce que c'est que le flagrant délit. Et tout le monde le sait. Le flagrant délit, c'est un délit qui vient de se commettre. Ou bien celui qui commet ce délit est poursuivi par la clameur publique. C'est ça la définition du flagrant délit. Des fonctionnaires qui ont rempli leur fonction depuis des années, des mois, qu'on convoque un bon matin et on leur colle la procédure de flagrant délit. Moi, je suis avocat depuis 38 ans. J'ai plaidé partout en Afrique, en France et même au Canada. Je n'ai jamais vu une procédure initiée pour les délits de détournement des deniers publics, de blanchiment d'argent, de trafic d'influence et de corruption initiée sur la base de la flagrance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas détourner de l'argent d'une manière flagrante. Il y a des règles de la comptabilité publique qui empêchent tout fonctionnaire de détourner d'une manière flagrante des deniers publics. Ce n'est pas possible. La corruption, c'est le délit le plus difficile à prouver. On ne peut pas prouver la corruption d'une manière flagrante. Ce n'est pas possible. Le blanchiment d'argent. Il y a même une loi spéciale pour la preuve du blanchiment d'argent. Comment on peut se réveiller un bon matin, poursuivre l'honnête citoyen pour détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, corruption, trafic d'influence sur la base du flagrant délit. C'est pas possible. Et aujourd'hui, le procureur de la République, on le défie de sortir de la moyenne de preuve pour dire que voilà les preuves pour lesquelles je poursuis. Il a violé l'article 63.
du Code de procédure pénale. Il a violé l'article 462. Pourquoi? Parce que cet article lui permet de poursuivre sur la base du flagrant délit, de décerner même mandat de dépôt, mais pour les infractions de droit commun. Or, vous savez que les délits pour lesquels ces personnes ont été poursuivies sont prévus par cette ordonnance numéro 2021-07 du mois de l'année 2021. C'est cette ordonnance qui dit que désormais, les délits de détournement de deniers publics, de trafic d'influence, de blanchiment d'argent sont réprimés et poursuivis par la CRIEF. Donc c'est une loi spéciale. Or, l'article 114 du Code de procédure pénale dit que pour les délits prévus par les lois spéciales, le procureur de la République n'a pas le droit de les poursuivre sur la base du flagrant délit et n'a pas le droit de mettre ces personnes-là sous mandat de dépôt. Vous pouvez dire l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Les dispositions ci-dessus sont inapplicables aux infractions dont la procédure est réglée par des textes spéciaux ou si les inculpés sont mineurs. Voilà. Pour les mineurs, le procureur spécial n'a pas le droit de poursuivre les mineurs sur la base de la flagrance et de leur décernement d'activité. Pour les personnes poursuivies sur la base de lois spéciales, le procureur spécial n'a pas la qualité ni la compétence d'initier des procédures contre elle sur la base de la flagrance et de le décerner mandat de dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire aujourd'hui que ces personnes-là sont incarcérées sans base légale, donc sont séquestrées. Et qu'il est urgent que le mandat de dépôt soit levé. Et nous demandons la levée de ce mandat de dépôt. Parce que ce mandat de dépôt n'a pas de base légale. Le procureur spécial n'a aucune compétence, aucune qualité pour poursuivre cette personne-là sur la base de l'article 114 du Code de procédure pénale. Il ne l'a pas évoqué aujourd'hui. Je ne sais pas s'il connaît cet article ou s'il ne le connaît pas, mais nous apprenons de lire le Code de procédure pénale et de lire l'article 114 du Code de procédure pénale. Il ne s'est pas arrêté là. Il a violé ce que l'on appelle le principe d'innocence de nos vies. Quand tu lui as demandé les preuves qu'il a contre ces personnes, il a dit, je connais ces personnes, j'ai vécu avec eux, je me suis absenté de ce pays pas plus de 2 mois. Donc, de vigile, je sais qu'ils sont coupables, presque, ce qu'il a dit. Donc, aujourd'hui, il y a la présomption de culpabilité qui pèse sur nos clients. Un procureur n'a pas le droit de dire que j'ai des preuves qui me sont personnelles. J'ai connaissance des choses, je sais que ces personnes-là poursuivies sont coupables. Et mieux, il dit, je les poursuis, je les mets sous mandat de dépôt pour que ces personnes remboursent ce qu'ils ont. Est-ce que le procureur de la République est compétent pour faire rembourser une personne? Parce que le remboursement, ce sont les intérêts civils. Le procureur de la République n'est compétent que poursuivre sur le plan pénal. Mais c'est le tribunal qui condamne. C'est les parties civiles qui demandent les dommages intérêts et c'est les parties civiles qui recouvrent. Quand les personnes poursuivies sont condamnées, c'est les parties civiles. Vous avez jamais vu un procureur de la République qui prend un issue pour aller recouvrir une créance parce que cette personne a été condamnée sur le plan civil. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le procureur a martelé qu'il essaie de contraindre nos clients à rembourser. Donc il les a déjà jugés. Et mieux, il veut que ces personnes remboursent sans que ces personnes ne soient condamnées. C'est extrêmement grave. La violation de la présomption d'innocence. Il a parlé de son décisisme. Il vous a dit, j'ai poursuivi sur la base de la flagrance. Après, il y avait impossibilité du tribunal de se réunir. J'ai transféré le dossier à un juge d'instruction. Cela aussi, je crois que cela déplise procédurale. Parce qu'il n'appartient au procureur, quand il est saisi, de renvoyer ou de ne pas renvoyer.
quand le procureur est saisi en matière de flagrant délit, il pourra immédiatement saisir le tribunal. Sur le champ, il a loi. Ou le lendemain, il a loi. Et quand le tribunal est saisi, mais le procureur est saisi. Comment le procureur peut-il poursuivre des personnes et s'arroger le droit de renvoyer et même de dire le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir? Mais vous savez, en droit, les mots ont leur sens. Quand la loi dit que si le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, cette impossibilité doit être motivée. Cela renvoie à la force majeure. L'impossibilité, quand le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, mais c'est extrêmement grave, c'est une force majeure. Alors il s'arrange le droit lui-même de dire que le tribunal est dans l'impossibilité de se réunir, je transmets le dossier à la chambre de l'instruction. Mais en le faisant, il oublie qu'il a mis des personnes sous mandat de dépôt et que le procureur lui-même ne peut pas mettre une personne sous mandat de dépôt pour le compte du juge d'instruction. Mais aujourd'hui, nos clients sont en prison. Le procureur a dit, je transmets le dossier au juge d'instruction. Et il les laisse sous mandat de dépôt. Et le procureur et le juge d'instruction qui va se saisir du dossier, il va travailler sur la base du mandat de dépôt qui a été décerné par le procureur. Le procureur est parti au procès, comme nous les avocats. Ce qu'il fait, c'est faire un réquisitoire pour demander au juge d'instruction de décerner un mandat de dépôt. Et ce réquisitoire ne lie pas le juge d'instruction. Ce qu'il devait faire, comme il s'est rendu compte de sa méprise, c'est de lever le mandat de dépôt, de faire un réquisitoire et même de demander s'il leve un mandat de dépôt au juge d'instruction pour dire voilà le dossier. Moi, vous ne pouvez pas mettre sous mandat de dépôt une personne, dire que moi, je ne suis plus compétent, je vous renvoie le dossier, mais je vous le renvoie avec le mandat de dépôt et tout. Alors, même si le juge d'instruction est un magistrat vraiment qui connaît son travail, il ne va pas accepter et dirige de prendre ce dossier avec le mandat de dépôt qui a été décerné par le procureur de la République. Parce que c'est le juge d'instruction qui juge de l'opportunité d'ouvrir une information parce qu'il faut même refuser. Quand le procureur de la République fait un réquisitoire pour demander au juge d'ouvrir une information, le juge a deux possibilités. Il peut accepter, il peut même disqualifier les faits, ou bien il peut refuser d'informer. Donc, en décernant un mandat de dépôt et demander au juge de continuer d'ouvrir une information, c'est une violation expresse et manifeste de la loi, et même volontaire de la loi. Tout ceci pour dire quoi? Que c'est un acharnement contre des personnes. Qu'on a violé volontairement la loi, ou bien qu'on est dans une ignorance parfaite des textes, et qu'on n'a pas le droit d'assumer des responsabilités telles que procureur spécial auprès d'une juridiction spéciale comme la CRIAF. Voilà ce que je voulais dire à l'introduction. Je passe la parole à mon frère, Mamadou Kane. Très bien, je voudrais d'abord, à la suite de mes excellents confrères, je suis Mamadou Ismaïla Konaté. Alors, pardon, vraiment, ne m'appelez pas Kanté, Kouyaté, Koné, Kamara, je suis Mamadou Ismaïla Konaté. Je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de Bamako, barreau du Mali. À la suite de mes excellents confrères, et pour être le plus didactique possible, je voudrais dire les choses de la manière la plus simple. Quatre membres du gouvernement, dont un premier ministre, ont été convoqués dans le bureau du procureur spécial près de la CRIEF. Le procureur spécial près la CRIEF a décidé de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de ces quatre ministres au motif qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis de détournement de deniers publics, de faits de corruption et de blanchiment d'argent. Trois infractions majeures qui jadis relevaient plutôt des infractions criminelles. Et aujourd'hui, ces infractions-là valent à l'État de Guinée
depuis l'installation du régime qui est en place, de prendre une loi spéciale par le biais d'une ordonnance et pour instituer une juridiction spéciale d'une part, mais également des procédures spéciales sur la base d'infractions spéciales. En l'occurrence, ces trois infractions sont des infractions qui fondent la compétence de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Nous avons un procureur spécial pour la Cour de la CRIEF, en parfaite connaissance de cause, a décidé de violer allègrement la loi et les droits de nos clients, mais en même temps d'opprimer leur liberté, ce qui est un crime. C'est d'autant plus un crime que le procureur spécial près la CRIEF n'a décerné mandat que parce qu'il voulait décerner mandat à l'encontre de ces quatre personnes, contre lesquelles, et quand vous avez vu aujourd'hui sa prise de parole dans les deux radios, et on se fera fort demain matin de lui répondre dans les deux radios, dans les mêmes conditions dans lesquelles il a mis en cause nos clients, il a été obligé de fabriquer une poursuite sur la base du flagrant délit qui n'en était pas. Un flagrant délit d'imagination, un flagrant délit d'illusion, un flagrant délit juste pour le seul et unique besoin de décerner mandat au moment où les quatre ministres se trouvaient dans son cabinet. Or, il savait que lui, procureur spécial près la Cour spéciale, la Cour la CRIEF, n'avait aucune qualité, aucun droit, aucun pouvoir pour décerner mandat à l'encontre de ces quatre ministres. Pourquoi? Parce que simplement, les faits de détournement de deniers publics, les faits de corruption, les faits de blanchiment sont trois infractions spécifiques qui sont retenues par l'ordonnance qui institue la CRIEF et en application des dispositions de l'article 114 qui n'a jamais, absolument jamais indiqué, il s'est contenté d'indiquer l'article 461 tantôt, il s'est contenté d'indiquer l'article 63, mais il oublie que 114 donne une indication spécifique sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais sur le principe, pour que les journalistes et l'opinion publique comprennent, le procureur spécial est une partie au procès, comme cela a été indiqué tout à l'heure. En tant que partie au procès, il peut se retrouver confronté dans le cadre d'un dossier où quatre personnes ont été déférées devant lui, et pour des raisons évidentes liées au fait qu'il ne peut pas matériellement saisir un juge d'instruction, alors qu'il entrevoit la gravité des infractions et éventuellement le risque pour ces personnes-là de disparaître, il est en droit, dans ce cas-là, comme la loi lui donne la possibilité, de prendre un mandat d'arrêt et de déférer les personnes à la maison centrale d'arrêt de Conakry. Or, en le faisant, il s'est basé sur une disposition légale qui dit qu'il a le droit de faire cela, d'une part, mais qu'il a aussi l'obligation de présenter les personnes sous mandat immédiatement dès le lendemain devant la juridiction du jugement. Pour simplement qu'il perde la main, parce qu'il est une partie au procès, ce pouvoir lui est donné que de manière expresse d'une part et de manière exceptionnelle d'autre part. Mais on a un procureur spécial, la CRIEF, qui abuse des droits qui lui sont octroyés de manière spécifique d'une part, mais de manière expresse aussi et de manière exceptionnelle. Le lendemain du mandat de dépôt, le 6, le lendemain le 7, il n'a jamais présenté qui que ce soit devant le juge. Le 8, il s'est abstenu également de présenter les quatre personnes qui gardaient prison à Conakry devant le juge. Alors même qu'il s'est contenté par voie de presse d'indiquer de manière éhontée et mensongère qu'il a convenu avec les avocats dans son bureau de ce qu'une audience devait être fixée le 11 et que lui savait que le 11 n'était pas légal. Donc du coup, il met en œuvre une disposition légale détournée. Le premier jour, il ne peut pas. Le deuxième jour, il ne peut pas. La loi lui dit, le troisième jour, vous êtes
impérativement convié à présenter les 4 personnes déférées devant la juridiction. Il ne l'a toujours pas fait aujourd'hui. C'est ce matin qu'il avait indiqué que des personnes seraient présentées en juridiction jugement aujourd'hui. Il ne l'a pas fait non plus. Pourquoi? Parce que l'invocation de cette disposition de l'article 461 est une disposition qui n'est pas applicable en l'occurrence. Je vous ai indiqué le caractère spécial des 3 infractions, détournement, blanchiment et corruption, relève de la loi spéciale. Et l'article 114, le dernier alinéa, dit qu'il est impossible au procureur spécial de décerner mandat dès lors que les bases de poursuite sont le détournement, la corruption et le blanchiment. On a un procureur spécial qui viole la loi. On a un procureur spécial qui viole le droit et on a un procureur spécial qui opprime des personnes libres. Mais pourquoi il le fait? Parce que lui, procureur spécial, sait que le 6, s'il avait présenté les 4 devant un magistrat instructeur, aucun magistrat instructeur ne l'aurait suivi dans sa réquisition pour mettre son mandat de dépôt parce que le 6, il n'y avait pas de dossier matériel. Et au jour d'aujourd'hui encore, il n'y a pas de dossier matériel. On sait les bases de poursuite qui sont les infractions que je vous ai indiquées. Mais quand on parle de détournement de deniers publics, on dit mais il a détourné 1 milliard, 2, 3, 4, 5, 120 milliards de francs guinéens. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune indication, ni de chiffre d'une part, ni de quantité d'autre part, ni même qui supporte le préjudice. On se contente d'énumération. On se contente sur la base des énumérations de poursuivre sur des éléments légaux aujourd'hui qui ne sont pas accessibles au procureur spécial de la Cour, de la CRIEF. Qu'est-ce qui va se passer demain? Nos clients sont en prison sur la base d'un mandat de dépôt qui émane d'une personne qui n'a ni qualité, ni autorité, ni droit. C'est comme si, dans le cadre de vos rédactions, vous décidez d'arrêter une personne dans la rue soi-disant que c'est un malfaiteur, vous ne vous contentez pas seulement de l'arrêter, mais vous le prenez, vous le mettez dans votre voiture, vous signez vous-même le mandat de dépôt, vous amenez à la maison centrale d'arrêt. Ce n'est pas votre droit, vous êtes journaliste. Ce procureur spécial, bien que magistrat, n'avait aucune qualité, on le lui dénie en raison du caractère spécial des infractions poursuivies. Parce qu'il s'est contenté de faire ça dès demain matin, nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible en droit pour aller obtenir aujourd'hui l'annulation du mandat de dépôt en mettant en avant son caractère caduc d'une part et deuxièmement en mettant en avant que c'est une personne sans qualité, ni droit, ni pouvoir qui l'a pris et en conséquence on demande l'annulation du mandat de dépôt. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'une personne s'est comportée dans des conditions qui ne sont pas de l'ordre de la loi. Nous allons personnellement prendre à partie le procureur spécial pour justement mettre en œuvre immédiatement à son encontre une procédure de forfaiture. De forfaiture. La forfaiture, c'est l'infraction que l'on peut poursuivre vis-à-vis d'un magistrat qui a utilisé son pouvoir dans des conditions hors le droit, hors la loi, dans un instinct qui est plutôt personnel. Il a indiqué ce matin dans les différentes radios que lui connaît les personnes qui sont mises en cause, que lui les a mises sous mandat de dépôt dans le seul et unique but qu'il paye, qu'il rembourse. Nous avons un procureur spécial près la CRIEF qui se départit de sa robe de magistrat, qui se drape d'un boubou et qui évoque des éléments qui sont totalement personnels et des éléments personnels qui n'ont absolument rien à faire dans un dossier judiciaire. La justice, encore une fois, c'est donnez-moi les faits, je vous donne le droit, et rien que le droit. Les faits sont têtus, on ne peut pas les inventer. Du droit, on doit en discuter. En résumé, nos clients nous ont donné mandat, 1. D'attaquer ipso facto dès demain le mandat pour mettre en avant son caractère illégal et 2. D'en tirer les conséquences pour poursuivre sur la base de la forfaiture
un magistrat qui s'est rendu coupable de violations flagrantes du droit et de la loi. Je termine sur ces propos-là pour dire que c'est comme ça qu'on grandit l'état de droit. La situation exceptionnelle en Guinée ou la situation d'exception en Guinée ne doit conduire aucun magistrat à agir contre son serment d'une part et en violation de la loi et du droit. En espérant simplement que ce message que nous vous avons livré sera un message précis et clair, en vous indiquant également que nous rentrons dans le cadre d'une procédure où l'on peut comprendre aujourd'hui que le procureur spécial ait pris d'assaut l'ensemble des médias de Guinée, nous lui rendrons l'appareil de la même manière qu'il a tenté d'obscurcir cette procédure. Je termine sur un élément pour attirer votre attention sur le fait qu'on nous a alerté tout à l'heure qu'un collège de juges d'instruction serait prêt à convoquer nos clients pour aller répondre de je ne sais quoi. C'est un blanchiment de procédure, en l'occurrence. Le mandat et l'illégalité du mandat leur a sauté aux yeux. On va les s'empresser de désigner un magistrat instructeur pour que celui-ci vienne régulariser une procédure qui est déjà nulle. Ça s'appelle du blanchiment. Du blanchiment en acte de procédure, c'est aussi un crime. Et quiconque magistrat instructeur fut-il, s'hasarderait à vouloir blanchir ce acte de procédure qui est nul, nous trouvera également sur le chemin. Ce n'est pas la guerre, mais c'est au moins un rappel précis, constant, régulier, que la défense des personnes qui sont mises en cause dans leur honneur, dans leur dignité, est une défense qui se met en place et qui va aller combattre le procureur spécial aujourd'hui, demain, le juge d'instruction éventuellement, et après-demain, n'importe quelle juridiction de jugement, pour mettre en avant aujourd'hui que nos clients sont prêts à se battre. Et c'est quand même curieux que depuis 5 jours de prison, ils ne sachent pas encore qu'est-ce qu'on leur reproche. L'état de droit, c'est tout à fait autre chose. Je vous remercie. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Mamadou, M-A-M-A-D-O-U, Ismaïla, I-S-M-A-I-L-A, et Konaté, pas avec un C, avec un K, Konaté, K-O-N-A-T-E. Mais malgré tout, je sais que des gens vont écrire encore avec un C. Pour enchérir, on parle de façon maladroite d'un renvoi du dossier. Le renvoi, s'il devait y avoir, ne pouvait l'être que par la juridiction de jugement, la Cour elle-même, puisqu'elle est saisie par une procédure de flagrant délit. Le procureur ne peut pas renvoyer un dossier, donc le juge du fond est déjà saisi. Donc c'est plutôt au constat du vide que la Cour a créé que l'audience ne s'est pas tenue. Il n'a pas été question d'un renvoi du tout. Donc, c'est bon à préciser, puisque l'opinion, en principe, ne doit se refermer que sur la réalité et sur ce qui est juste. Merci. Spécial, moi je l'appelle procureur au roi, désormais au service des hommes du 5 septembre. C'est extrêmement grave pour la dignité de nos clients. Donc, si vous voulez, avec votre permission, c'est ce que M. Ali Touré a signé et m'a adressé. Et la lettre là va le suivre de partout. Il écrit, Monsieur le procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et financières. À Maître Sidiki Berité, avocat de la Cour, Maître, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans la procédure suivie contre M. Mohamed Diané, donc vous êtes le conseil, initialement orienté en flagrant délit. Lui-même, il reconnaît. Il a posé le procès verbal de comparution en flagrance. À partir de l'instant T, la date de programmation n'est plus nécessaire. La juridiction du jugement est saisie. Avec l'aveu suicidaire de M. le procureur au roi,
qu'on qualifie de procureur spécial, il continue. Le parquet a finalement saisi la chambre d'instruction conformément disposée à l'article 462, alinéa 2. Comment vous pouvez saisir une juridiction de jugement et ramener vous-même? C'est comme s'il permet un réquisitoire introductif et va aller sur le juge d'instruction, donne-moi encore, je vais envoyer ailleurs. Je crois que la voie d'option là est irréversible. Plus grave, quand nos clients étaient, on a fait 2 mois, depuis le mois de février, on était à l'enquête avec les gendarmes, c'est une convocation qu'on a trouvée sur la toile par le pôle des juges d'instruction contre notre client, M. Mohamed Diané. On est venu répondre, ils disent que non, attend le moment venu. Donc, ces violations sont tellement intolérables. Quand vous voyez l'article 771 sur la corruption des agents publics, est puni d'emprisonnement de 3 à 10 ans ou d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs guinéens ou l'une des 2 peines seulement. À partir du moment où l'appréciation, la condamnation dépasse 5 ans de prison, nous ne sommes plus au correctionnel. C'est criminel. Et en matière d'infraction criminelle, l'information est obligatoire. Donc, selon les infractions spécifiées, la charge pénale qui pèse sur la tête de nos clients dépasse 5 ans de prison. Donc, ce n'est pas une composition au correctionnel. Alors, à partir du moment où c'est une infraction criminelle, l'information était obligatoire. Donc, c'est dans l'amateurisme total qu'il s'est attribué. Mais la seule mission, c'était de les placer sous le mandat de dépôt. Parce que c'était le 6, à 13h, nous sommes venus avec nos clients. Et là, quand il a décidé de les placer sous le mandat, j'ai fait valoir l'article 461. Je dis, si vous décidez ainsi, l'individu ayant comparu en flagrance doit être traduit sur le sang. C'est ce que la loi demande. Allons-y maintenant avec l'Europe, les robes sont là. Quand on dit non, c'est le diable du lendemain, ça c'est l'exception. Le principe d'abord, quand vous décidez de prendre quelqu'un en flagrance et vous placez l'individu sur le mandat de dépôt, vous le traduisez sur le sang, l'article 461. Mais sa seule mission, comme il a promis aux hommes de la transition, depuis le mois de février, nos clients sont bloqués à partir de l'aéroport. Ils sont interdits de sortir. Le procureur a pris soin d'écrire avant aucune mesure, sans mesure judiciaire. Donc, je crois là où l'heure est grave pour tout Guinéen. Pour tout Guinéen. Les magistrats là ont prouvé qu'ils sont au service des hommes de coup d'État, qui n'ont aucune base légale. Il faut qu'on se dise la vérité, la Guinée, c'est pour nous tous. On cesse à les humilier. Vous avez suivi vos clients. Détournement, corruption. Il y a un fait précis. On a un montant. Il y a une opération dont vous avez détourné. Je crois que Dieu sauve la Guinée. C'est extrêmement grave. Ce n'est plus une transition. C'est de la séquestration. Au même moment, on est au palais qu'on veut tenter une réconciliation maquillée. Qu'Allah sauve la Guinée. Je vous remercie. Je remercie les doyens, les chers confrères qui ont fait les déplacements, qui sont séjournés en Guinée et que nous accueillons à bras ouverts. Les doyens ont déjà tout dit. Vous savez, la chose la mieux partagée, c'est le respect de la loi. Dans un pays où la loi n'est pas respectée, si vous êtes un étranger, mieux vous quitter. Nous, aujourd'hui, nous nous battons pour les principes et les valeurs. Ce n'est pas un système qui nous intéresse, ni un homme, mais ce sont les libertés. Et tout avocat qui n'est pas inquiet quand les libertés sont confisquées de la sorte, doit se poser beaucoup de questions. Depuis le 5 septembre, cela a été rappelé dans notre déclaration, et une chasse aux sorcières a commencé. Tous ces anciens ministres sont systématiquement empêchés de sortir du pays sans procédure, rien. Leurs avoirs sont confisqués et aussitôt, ce sont les convocations qui sont éparpillées dans leur domicile. Ils arrivent, il n'y a aucun dossier
n'y a aucune enquête. Quand vous venez, on vous pose des questions dans tous les sens. Même des faits prescrits, si ça existe. Et par la suite, vous êtes devant le procureur qui, par tâtonnement, une affaire qui a été gérée en enquête préliminaire, se retrouve devant le procureur. Le procureur ne se donne même pas le souci de regarder bien les procès-verbaux. Il oriente le dossier en flagrant délit, ce qui est tout à fait illégal et illégitime. Lorsqu'il déclare aujourd'hui qu'il a eu, il nous renvoie la balle ou nous jette en pâture, c'est faux et archi faux. J'ai compris aujourd'hui et maintenant que personne n'a négocié avec lui. Son objectif, c'était de prendre tout le monde en vitesse, mettre tout le monde devant le fait accomplir et accompagner nos clients en prison. C'était le seul objectif. Parce que devant lui, on n'avait aucune possibilité de discuter, évidemment, de la liberté. Ce qui est dangereux. Lorsque vous avez en face des magistrats, on est rassuré. Mais lorsque ce sont des missionnaires, c'est grave. Parce qu'ils n'agissent qu'en fonction des missions assignées. C'est Ali Touré, excusez-moi de le citer, procureur spécial, n'est pas un procureur de la dernière minute. Il vient d'un tribunal d'une région pour Conakry. Il sait comment et quand est-ce qu'il faut programmer un dossier en flagrant délit. S'il a pris la responsabilité sur lui d'engager la procédure en flagrance, il devait, par honnêteté intellectuelle, pour le respect de la loi, pour le respect même de nos clients, de la procédure, de tous les textes qui régissent la matière, au moins attendre qu'on aille devant la juridiction de jugement, poser clairement ses difficultés et voir qu'est-ce qui pouvait être décidé. Mais il sait qu'en allant devant la juridiction de jugement, le préalable aurait été la remise à liberté de nos clients. C'est pour cette raison qu'il a poursuivi tout le monde et il croit avoir saisi le pot de juge d'instruction. Nous irons jusqu'au bout, comme l'a dit les éminents confrères. Nous allons nous battre pas pour un homme ni pour un système, mais pour les libertés dans notre pays. Il faut que le droit soit respecté dans notre pays. Donc je vous remercie. Et ce sont les avocats qui ont fixé les dates d'audience. Et même report, il a parlé de report. Quand je l'ai entendu parler, j'avoue que j'ai été très très déçu. Un magistrat de cette trempe, de cet acabit, se permet de mentir. C'est très simple. Ni nous, avocats, ni lui ne peuvent pas fixer la date d'audience. Parce que nous ne sommes pas les juges. Il peut parler à des profanes qui ne savent pas que lui, il est parti au procès, comme l'a déjà dit les confrères. C'était à nous de fixer la date d'audience. Dans la panique qui a été sa posture, parce qu'il était paniqué, il savait qu'il était en train de poser une procédure qui ne tenait pas la route. Il a lui-même fixé les dates d'audience et il a voulu que les avocats confirme ces dates. Les avocats n'étaient pas en mesure de confirmer ces dates, sachant bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes à être en face de lui et à lui dire qu'il a menti. On n'a pas besoin d'entrer dans une logique compliquée pour savoir que ce n'était pas aux avocats de fixer la date, les audiences. J'espère que ce qu'il a dit et rester à l'interne ici. Je ne souhaite pas que cela soit entendu à l'extérieur, sinon on se poserait la question de savoir est-ce que celui-là est véritablement un procureur? Est-ce que ce n'est pas un plaisantin? Parce que le profane peut entendre ça et peut dire, et comme je crois qu'il doit faire partie de ces magistrats qui ont pris l'habitude, la mauvaise habitude de médire les avocats, de mettre les fautes toujours sur la tête des avocats. Mais cette fois-ci, le procureur spécial a été tout simplement ridicule. Je tenais à préciser ce point
à l'attention de la presse. Je vous remercie.